Des clichés méconnus, réalisés par une légende, Robert Doisneau, dans un univers qu'on ne lui connaît pas. C'était d'abord l'année 49 à 52, il a signé un contrat avec le journal Vogue, où on lui demandait de faire des sujets sur la vie mondaine à Paris, ou élargir un peu le sujet, mais c'était surtout à cette époque les mariages chics, enfin la vie mondaine. De somptueux bals et mariages en noir et blanc, représentant un monde que Robert Doisneau ne maîtrisait pas toujours. On est dans l'après-guerre, c'est-à-dire qu'il y a une reprise de la vie culturelle formidable en France. Il y a des jeunes artistes qui s'appellent Bernard Buffet, Jeanne Moreau qui est à la Comédie-Française, il y a Michel Galabru qui vient de sortir du conservatoire, voilà. Et on lui demande d'aller photographier tous ces gens-là. Et il est très heureux de le faire parce qu'il se sent très très bien en compagnie des artistes, peut-être mieux qu'en compagnie des duchesses et des comtesses qui marient leurs enfants. 73 photographies minutieusement choisies parmi 450 000 clichés. 23 ans après sa disparition, Robert Doisneau nous dévoile encore de nouvelles facettes de son talent.